الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. Commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala et le louer pour nous avoir réunis aujourd'hui, dans ce jour de Ramadan, avec cette chaleur, nous sommes que la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler d'un des piliers les plus importants, piliers de l'islam, le Hajj. Là, je sais que l'année dernière, apparemment, on sait que c'est inscrit à la formation, beaucoup n'envisageaient pas forcément de partir cette année. Est-ce que c'est le cas cette année? Est-ce que tous envisagent de partir ou... Qui envisage de partir cette année, Inch'Allah? Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler plus de pourquoi. Pourquoi ce pilier? Quel est le sens de ce pilier? Qu'est-ce qu'on va faire à découvrir là-bas, même si on peut mettre tous les mots qu'on veut sur ce qui se passe là-bas et qu'en étant là-bas, qu'on peut le ressentir, qu'on peut le vivre, qu'on peut écouter. La saveur, on ne peut pas se décrire. Parce que la langue, elle perçoit comme saveur, on peut y mettre tous les mots qu'on veut, on comprendra pareil. C'est pareil avec le cœur, parce que le cœur, il perçoit comme saveur, on peut y mettre tous les mots qu'on veut. C'est là-bas que... Mais ça aide à se préparer, Inch'Allah, du mieux possible. Et justement, quand on parle de se préparer, Inch'Allah, on va beaucoup insister sur ça, c'est d'abord la préparation du cœur. Je vais citer quelqu'un qui n'est pas de notre communauté, mais Saint-Exupéry, il disait une chose, il disait « L'invisible, il est... L'essentiel, plutôt, il est invisible pour les yeux, hein, mais on ne voit bien qu'avec le cœur. » Et c'est vrai qu'il y a des choses, on peut regarder, on peut fixer, on peut être attentif, et on ne verra pas. On se prendra, il dit « Walahum qulubu la yafqahuna biha, walahum ayunu la yubsiruna biha. » Avant de nous dire « Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas », il nous dit « Et ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. » Tout part de là. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas, et bien ils ne peuvent pas voir derrière. Ils ne peuvent pas entendre. On ne peut pas entendre, on ne peut pas voir, on ne peut pas percevoir les choses correctement. Pourquoi? Parce que le cœur, au départ, eh ben, malheureusement, dans cette vie-là, les voiles, ils se posent. Et tout le travail à faire, c'est d'essayer de dévoiler au maximum. Dévoiler au maximum avant le départ. Pour que là-bas, on ne perde pas de temps. Parce que le temps, il est court. Il est compté, malheureusement. Et ce qu'on peut vivre là-bas, il faut qu'on soit dans les meilleures dispositions quand on arrive. Pour qu'on puisse dès le départ le percevoir. Même si la force qui se dégage de ce lieu, elle est telle qu'elle peut briser tous les voiles, même si on met des parpaings si on veut dessus, cette force-là, elle est capable de briser n'importe quelle ouverture qu'on a pu apposer sur notre cœur tout au long de notre vie. Mais il faut que nous, on arrive à se mettre dans les meilleures dispositions avant de partir, et ça va être l'essentiel de l'intervention d'aujourd'hui, parce qu'il y a deux interventions qui sont prévues sur les rites, sur le manasik, sur les conditions du hajj et à respecter. La première des choses, c'est que déjà, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on part au Hajj, on part dans un lieu qui a une histoire, qui remonte à très loin, et on va, nous, participer à cette histoire en allant là-bas. Et cette histoire, alors selon les récits qui nous sont rapportés, certains la remontent à Ibrahim, et d'autres la font remonter encore plus loin qu'Ibrahim. Certains la font remonter jusqu'à Adam, alayhi salam, quand Allah l'a fait descendre sur terre. Certains nous rapportent même que la première chose qui a émergé de l'eau, c'était le Kaaba. Mais ce qu'on sait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait descendre Adam du paradis, il l'a fait descendre sur terre, quand il y a eu cet échange entre les anges et Adam, entre les anges et Allah subhanahu wa ta'ala, excusez-moi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore, وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Alors ce matin-là, quand les anges lui ont dit, est-ce que tu vas mettre quelqu'un qui va établir le désordre et faire couler le sang sur cette terre? Qu'est-ce qu'elle avait dit alors ce matin-là? Il leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et après, alors ce matin-là, quand il a fait descendre Adam,
Il lui a donné quoi? Le kahala. Pour sa rédemption, pour lui pardonner son erreur qu'il a fait avec Shaitan, enfin, c'est la désobéissance. Et il a donné une autre Kaaba aux anges pour leur rédemption. Et cette Kaaba, elle est 7 cieux au-dessus de la Kaaba. Et dans cette Kaaba-là, autour du Kitab al-Mustawr, al-Firaq al-Manshur, al-Bayt al-Ma'mour, al-Bayt al-Ma'mour, 70 000 anges rentrent chaque jour dans ce lieu, en pèlerinage. Ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 70 000 anges, de toutes, depuis la création jusqu'à la fin des temps, et jamais ils ne repasseront par ce lieu. Et chaque jour, c'est 70 000 nouveaux anges qui rentrent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous, on part au Hajj, eh bien, on est en osmose avec ces anges-là, qui viennent 7 cieux plus haut. 7 cieux au-dessus de nous, il y a ces anges qui rentrent. Et nous, on y va à notre niveau, pour cette rédemption, pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tout ce qu'on veut, cet éloignement. Hein, du quotidien de cette vie-là qui nous absorbe et qui nous prend. Et nous, on participe de ça. Et on participe surtout de l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. L'histoire d'Ibrahim, vous la connaissez certainement, mais on ne peut pas passer outre l'histoire d'Ibrahim quand on parle de l'Hajj, c'est obligatoire. C'est un passage obligatoire, ne serait-ce que pour le rappel. Et Ibrahim, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, Ibrahim al-Khalil, s'il l'a choisi comme ami intime, ce n'est pas pour nous. C'est pas pour rien. Et subhanallah, l'histoire d'Ibrahim, elle part d'un... Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ » La vérité de cette parole, on la découvre dans cette histoire d'Ibrahim. Tout ça, c'est parti du litige entre Hajar et Sarah. Ce litige-là qu'il y avait entre ces deux femmes, regardez ce qu'il a fait naître. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait naître de ce litige-là. Il a fait partir Ibrahim, il lui a donné l'ordre de partir avec Hajar et Ismaïl pour s'établir où à la Mecque. Et de ce moment-là, chaque année, maintenant, on a des gens qui vont en pèlerinage. Chaque année, qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont tourner autour de la Kaaba, qui vont se ressourcer, qui vont se purifier, qui vont renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont renouer avec le fitra. Chaque année, chaque jour qui passe, il y en a qui partent par en bas. De ce moment-là, de ce qu'on aurait pu percevoir comme quelque chose de négatif, de mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir peut-être la meilleure des choses que l'humanité a pu connaître. Et dans cette histoire-là, sans la reprendre depuis le départ, parce que vous l'avez certainement lu, et si vous ne l'avez pas lu, vous avez l'obligation de la lire et de la méditer. Hajar, quelle a été son attitude? Ibrahim, il part avec Hajar et Ismaël. Il fait 2500 km pour aller à la Mecque. Aujourd'hui, on se plaint, on y va en avion, on cherche l'hôtel le moins loin. Moi, je me rappelle quand on est arrivé la première fois à l'Hajj, ils nous avaient mis dans un hôtel à Aziziyah et on se plaignait. Aziziyah, c'est loin, subhanallah. Bon, pour la parenthèse, ne cherchez pas non plus les hôtels éloignés parce que après, c'est compliqué. Mais en réalité, subhanallah, Ibrahim, il a fait 2500 km. Et nous, on se plaint. Moi, je me rappelle de mon grand-père, Mbaye Rahmo, il est parti dans les années 80, je me rappelle, c'était un enfant. Il était du bled et à l'époque il y avait les quotas, il n'arrivait pas à trouver de place. Jamais il tombait, les années, il y avait des tirages au sort et jamais il tombait. Et mes oncles et mes parents, ils avaient fait venir du bled en disant tu vas partir de France. Et il était parti en bus de France. Et quand il était rentré, déjà il était vieux, mais quand il était rentré, j'ai compris ce que ça voulait dire le mot vieux en fait. Subhanallah. Et nous, c'est facile. Mais en vérité, la difficulté, elle n'est pas. Elle est innée dans le Hajj, elle est inhérente au Hajj. Mais cette difficulté-là, elle est secondaire quand on sait ce qu'on va découvrir là-bas, quand on sait ce qu'on va percevoir là-bas. Et ce qu'on va découvrir, c'est cette sérénité qu'Hajar a installée. Quand Ibrahim y part, il fait ses 2500 km avec toute cette difficulté, il va, il la laisse là-bas. Dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, Ibrahim il dit, excusez-moi, « Rabbana inni askantu min dhurriyyati » Il dit, oh mon Seigneur, j'ai établi ma descendance dans une vallée, il n'y a rien, pas d'agriculture, c'est vide, il n'y a rien, c'est le désert. Et cette certitude-là qu'Ibrahim, ah, il va, il les laisse et il part. Mais en plus, c'est pas il les laisse pour s'en débarrasser. Il est sûr que de toute façon, Allah va les prendre en charge. Pourquoi? Parce que de toute façon, il revient après. Ibrahim, il repart, il fait 2500 km, il repart après dans le sens. Et il repart et il revient.
Et Hajar, c'est qui t'a donné ce don? C'est Allah. Donc il ne va pas nous abandonner, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, vas-y, pas. Il n'y a pas de problème, sois serein. Et quand on va là-bas, il faut être serein. Parce que dans l'agitation, dans la foule, hein, on ménage, ça court, ça crie, ça se bouscule, ça. Non, mais à l'intérieur, il faut qu'on soit serein. Si on n'est pas serein et qu'on se laisse absorber par cette agitation, par ces tours, par ces buildings, par ces commerces, par ces cris, par ces... On n'y arrive pas. Ça devient très dur. Ça devient même insupportable. Mais ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire que vous pouvez l'étudier sociologiquement, vous ne comprendrez pas, ce n'est pas possible. Tous ces gens avec toutes les maladies, vous allez à Mina, des poubelles jetées partout, des ordures, des... rien. Il n'y a pas... Comment il n'y a pas le choléra ici où il n'y a pas la peste là-bas? Rien. Chaque année, nous annonçons une épidémie. Chaque année, on dit qu'il faut peut-être interdire le hajj. Chaque année, on y va et on revient. Il y a des morts. Mais peut-être que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, Inch'Allah, qu'on reste là-bas. Mais Hajar, elle est sereine. Et nous, il faut qu'on prenne cette sérénité avec elle. Parce que la clé de la réussite du hajj, elle est dans cette sérénité que Hajar a établie dès le départ. Elle avait confiance en Allah. Et Allah, il ne l'a pas déçu. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Zamzam. Avec l'ange Gabriel qui est venu. Quand elle faisait Safa al-Marwa. Et sept. Elle est entourée, elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est descendu du Zubayr, qui lui a donné Zamzam à ce moment-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas abandonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité, il lui a donné une issue, il a même amené une tribu, la tribu de Jurhum qui est venue s'établir à la Mecque par la suite. Et qui lui a donné de la compagnie, et qui a donné la descendance d'Ismaïl à notre communauté. L'autre chose importante qu'il faut retenir du sens profond de l'établissement d'Ibrahim à la Mecque, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالطَّهِرُ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَعِ السُّجُودِ » La mission, c'est quoi? C'est purifier. Et purifier ma maison pour qui? Pour ceux qui font le tawaf. Ceux qui se lèvent pour la prière et ceux qui se prosternent pour la prière. Qui se prosternent, qui s'accroupissent, oui, donc qui se prosternent. Qui s'incline sur ce sens. Donc la mission c'est quoi? C'est de se purifier. La mission première, on y va pour se purifier. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a purifié ce lieu, nous on y va aussi pour se purifier. Et si on y va dans cet état d'esprit, Inch'Allah, Allah va faciliter. Et ça ne s'arrête pas là, l'histoire d'Ibrahim. Parce qu'Ibrahim, il repart, il revient. Vous savez qu'après, il va revenir une deuxième fois pour construire le Kaaba, justement, avec Ismaël. Alors, ce moment-là, il repart en Palestine. Il lui dit, non, retourne. Retourne et tu vas construire le Kaaba. Et là, il y va. Il va, il retourne et il construit le Kaaba. Alors, ce moment-là, il dit, oui, yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt. Il a établi à partir des fondations. Et c'est pour ça que certains commentateurs ont dit, c'est qu'il y avait déjà des fondations avant. Elles étaient déjà existantes, elles étaient déjà là. Et c'est pour ça que certains disent que c'est une histoire qui remonte à avant Ibrahim. Et il repart et il revient. Pourquoi? Pour Zabih. Alors, ce matin-là, il lui ordonne d'écorcher son fils. Il lui ordonne d'écorcher son fils. Vous l'imaginez, il est à 2500 km. Il le renvoie à la Mecque. Pourquoi faire? Pour quelle mission? Pour aller égorger son fils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la sérénité qui se dégage d'Ibrahim, elle est telle, cette certitude en sachant qu'Ibrahim, c'est pas quelqu'un qui a reçu une révélation d'un messager qui était là avant lui. Comme la tradition dit, Yaqub, Yusuf, alayhi salam, qui se transmettaient les uns aux autres. Ibrahim, il est au point de départ. Avant lui, il y avait d'autres prophètes, mais il n'y avait pas ce lien avec lui. Lui, il a fait la démarche tout seul. À cette époque-là, les gens, ils adoraient les astres. Et lui, il a regardé. Il a regardé les idoles, il a essayé de trouver, il n'a pas trouvé. Et par lui-même, il a fait cette démarche. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris, ce n'est pas pour rien. Et dans cette démarche, subhanallah, qu'il fait seul, il arrive à rester convaincu, même quand Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne cette chose qui est quand même grave, égorger son fils. Et il le fait sur lui-même. Et il y va. Wa aslama. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aslama. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Et les deux.
Ismaïl aussi, il lui dit vas-y. Vas-y. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Cette sérénité, cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas les abandonner. Et cette sérénité, cette certitude, elle s'est perpétuée avec les prophètes. Il faut savoir que les prophètes, tous sont venus. Tous sont venus faire le Hajj al-Ka'ba. Tous sont venus faire le pèlerinage à la Mecque. Un prophète, alayhi salatu wasalam, un jour, il parlait avec les compagnons et il leur disait c'est comme si je voyais Moussa, la gorge asséchée à force de répéter tel biais. C'est comme si je le voyais dans telle vallée. Il nous parle de Younous. C'est comme si je le voyais sur telle colline, avec son chameau. Tous, on participe de cette tradition-là. Et nous, quand on va à la Mecque, on est dans cette tradition. On perpétue la tradition des prophètes. De ces hommes, des meilleurs hommes que la terre a pu porter. Et bien nous, on y va. Parce qu'on a déjà, il nous choisit pour être ceux qui perpétuent cette tradition-là. Donc c'est un honneur immense qu'à ce moment-là, il nous accorde. C'est un honneur immense, et donc il faut se préparer dans la meilleure des manières pour pouvoir arriver à faire vivre cette tradition-là de la meilleure des manières. J'ai jusqu'à quelle heure ? 15h35. Alors, on va parler beaucoup de spiritualité, mais il faut... Faire attention, parce que quand on parle de spiritualité, déjà on a un problème dans notre société, c'est que la spiritualité, on a l'impression que c'est quelque chose de secondaire, c'est optionnel. Alors que c'est l'âme du message, c'est au cœur du message. Ce message-là, il ne peut vivre que par la dimension spirituelle. Hein, la spiritualité, telle qu'elle est proposée en islam, c'est une spiritualité qui nous impose de revenir au plus profond de nous-mêmes, pour renouer avec le fitra, pour renouer avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis au plus profond de nos cœurs. Pour redécouvrir cette transcendance avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien avec le Créateur. Et ce lien avec le Créateur, en fait, l'image qui ressort et qui est révélée par cette dimension-là, c'est quand en fait, il fait l'Isra al-Mi'raj. Il va et il découvre son Créateur. Il rencontre son Créateur. Et il revient. Il revient comme un être responsable devant les hommes. Et bien là, c'est pareil. Quand on part au Hajj, on revient comme un être responsable. Mais on n'oublie pas qu'on est en train d'accomplir une obligation. C'est pas quelque chose de. C'est pas un plus. C'est obligatoire parce que c'est essentiel. Et le prophète a tellement insisté sur cette obligation que dans certains récits, il nous a rapporté qu'il a failli sortir pour faire payer le jizya aux riches, aux personnes qui avaient la possibilité de partir à l'Hajj et qui ne partaient pas. Le jizya, c'était pour qui? C'était pour un élève qui était. Pour ceux qui n'avaient pas, qui n'étaient pas musulmans. Donc ils n'avaient pas à partir au Hajj, mais alors il fallait qu'ils payent le jizya. Ils n'avaient pas les obligations des musulmans. Mais ils avaient cette obligation-là. Donc c'est comme si pratiquement ils désertaient de la communauté. Il a failli, il ne l'a pas fait, mais c'est pour nous montrer l'importance. Donc celui qui a la possibilité, il ne faut pas qu'il laisse traîner. Il ne faut pas qu'il... Même si, hein, selon certains avis, comme le prophète, il a retardé son départ à l'Hajj. On nous dit, bah, il est possible de retarder. Mais, il faut avoir à l'esprit que quand le prophète alayhi salam, il a retardé jusqu'à la dernière année de sa vie. Il a retardé pour nous donner Hujjatul Wada', pour nous donner ce pèlerinage d'adieu avec le message fort qui ressort de Hujjatul Wada', avec les enseignements profonds. Donc dès qu'on peut partir, il faut qu'on y aille. On va rentrer maintenant, Inch'Allah, dans ces préparations du pèlerinage. Et avant d'entrer dans les préparations, il y a deux conditions qui sont centrales et qui sont en réalité valables dans toute chose. Mais qu'il faut spécifier par rapport à l'Hajj. Ces deux conditions, c'est l'intention qui se traduit par la sincérité de l'acte. Hein, comme le prophète alayhi salatu wasalam, il disait « Allahumma adini umra, la riya fiha wa la asma'a ». Le prophète alayhi salatu wasalam, il disait « Oh, ceci est une umra, un pèlerinage ». Il n'y a ni ostentation, ni volonté de paraître. Et souvent, on part avec des intentions diverses. Faire attention, le statut du Hajj ou la Pahajj n'est pas important. Faire attention à celui qui part aussi pour faire du commerce en même temps. Pour faire, il y en a maintenant, ils vont pour mendier, il y en a qui vont... Même si faire du commerce, ça n'est pas interdit. Hein, mais il faut être vigilant, c'est quoi la priorité? Pourquoi je pars? Parce qu'après, les intentions, elles se... Quand on est là-bas, on se laisse vite emporter, on se laisse vite disperser. Quand on voit surtout tous ces magasins, tous ces supermarchés, tous ces trucs, tous ces... Si on ne se focalise pas sur l'essentiel, on y va pour nous, se ressourcer,
retrouver notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va vite se laisser dépasser. Et ça, il faut être très vigilant par rapport à ça. Ouais, surtout nous, en France, on est spécialistes de ça. Je me rappelle un frère qui nous disait à l'époque, et même encore aujourd'hui, quand vous allez, là, pendant cette période-là, faire l'Umrah pendant le Ramadan, pendant le Tarawih, vous regardez au fond ceux qui sont assis et qui discutent. C'est qui? C'est Wana, les Français. Hein? Les gens, ils sont devant en train de pleurer, nous, on est en train de discuter. Pourquoi t'as payé 2000 euros au restaurant? À Bonnichon, à Bordeaux, à Lyon, à Paris, où tu veux. Pas le temps que tu as là-bas, il est sacré. Il faut essayer de l'utiliser au maximum, il faut dépasser ses limites. Comme le prophète, quand il priait la nuit, il priait jusqu'à ce que ses pieds saignent. Il dépassait ses limites. Ici, on n'y arrive pas, on est faible. Mais là-bas, il faut faire. C'est là-bas. C'est là-bas qu'il faut dépasser, il faut franchir ses limites. Si là-bas, on n'arrive pas à le faire, quand est-ce qu'on va le faire? Si là-bas, quand on est à Mamad Kaaba, on n'arrive pas à le faire, c'est quand qu'on va dépasser ses limites. Donc la première condition, c'est cette sincérité et essayer de vraiment se vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, hein, c'est « Khudhu anni manasikakum » comme disait le prophète, et prenez de moi les enseignements du Hajj, les rites. On est quand même dans un rite, donc on ne fait pas n'importe quoi. On fait comme le prophète, il a fait, donc il y a une formation sur ça. Et c'est important. C'est important, et même les compagnons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous hein, qui avons ces... Un jour, il y a eu un débat entre Ibn Abbas et Muawiyah. Muawiyah, il était en train de faire tawaf autour de Kaaba et il touchait tous les coins. Ibn Abbas lui dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, moi, je ne veux laisser aucun coin. Je vais prendre le barakat de Kaaba en entier. Et il va y toucher, il touchait, il touchait. Il dit, non, le prophète n'a pas fait ça. Il dit, moi, je ne veux pas, je touche tout. Et là, Ibn Abbas lui dit, « Raqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. »« Man kana yarjullaha wa yamana. »« Wa dhakara Allah. » Et là, Muawiyah, il s'arrêtait, il a dit, ah. Il a arrêté. Il est revenu et il a repris le Yémeni, le Hadra al-Aswad. La sunna, elle est là, on fait la sunna. Il ne faut pas se disperser. Il y a déjà tellement à prendre dans ce que le prophète a laissé que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça ne sert à rien. Déjà, si on arrive à absorber toute cette lumière qui se dégage de ces enseignements-là, alhamdoulilah. Et on arrive donc aux préparations. Et la première des grandes préparations, ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est d'abord préparer son cœur. Alors, ce matin, quand il dit dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ. Quand Allah, ce matin, quand Ibrahim, plutôt, excusez-moi, il parle, il fait du'a auprès d'Allah, ce matin, il dit quoi? Il fait en sorte qu'une partie des cœurs des hommes. Il n'appelle pas, les hommes, il ne veut pas que les hommes les suivent, que les cœurs des hommes. Il demande à ce que ce soit les cœurs des hommes. C'est notre cœur qui répond. Ce n'est pas notre langue, ce n'est pas nos pieds, ce n'est pas nos mains, ce n'est pas quand on signe le chèque, c'est notre cœur qui répond à l'enseignement. Et c'est le cœur qu'il faut d'abord arriver à préparer en premier. Parce que l'objectif du Hajj, il est quoi? L'iqamati dhikrillah, c'est pas l'idhikrillah, c'est pas pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'iqamati dhikrillah pour Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore. C'est pour établir le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour le statuer. C'est pour lui donner sa véritable place. Et si on se met dans cette disposition-là, de ce voyage central qui va remettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre des choses, qui remet Allah subhanahu wa ta'ala au centre de nos vies, qui remet Allah subhanahu wa ta'ala au centre de toutes choses dans cette société. Aujourd'hui, on a un centre, on a des centres. On est décentré, gars. Entre métro, boulot, dodo, entre la télé, entre les écoles, entre les machins, entre... Et quand c'est pas les péchés, les shahawats. Non, c'est vraiment ce matin-là qui doit être rétabli au centre. Et là, il reste 2 mois avant le départ, 2 mois et demi avant les premiers départs. Il reste 2 mois ou 2 mois et demi, et alhamdoulilah, parce qu'on a dit, il a fait qu'à Ramadan juste avant. Pour celui qui parle là, il y a une source d'énergie incomparable. Il a le mois de Ramadan pour se recharger, et après, il lui reste quoi à faire? À maintenir ça, jusqu'à ce qu'il parte au Hajj. Pendant 1 mois, il doit maintenir ça. Pour être sûr qu'il ne va pas se perdre et se disperser. Parce que là-bas, c'est le retour aux sources en vérité. Comme disait lui-même le Ghazali,
Hein, c'est le point central de la création. C'est le point fixe de la création. On retourne au point de départ. Et en fait, on retourne à notre propre point de départ. On retourne à ce qui est essentiel. Comme il disait le prophète, comme il disait avant ce matin dans le Coran, lorsque le prophète il est rentré à la Mecque, il disait « Ma'azar al-basar wa ma'tara » Le prophète ne regardait ni à droite ni à gauche. Il n'était pas attiré par toutes ces richesses. Tête baissée, il est rentré à la Mecque. Et nous, on voit des tours, des horloges, des hôtels. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas se laisser disperser par tout ça, ces grandes surfaces, ces machins, tout ça, il faut évacuer. Il faut se revenir, il faut rester concentré que sur l'essentiel. D'ailleurs, le prophète, quand il partait au Hajj, un jour, il était avec Al-Fadl. Al-Fadl, c'était un compagnon, comme on dit, c'était un beau gosse. Et il était à côté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et à un moment-là, il y a des femmes qui sont passées à côté d'Al-Fadl. Al-Fadl, il a commencé à tourner le visage, à les regarder. Le prophète, physiquement, c'est pas juste le fait, il a pris la tête, il lui a dit non, garde le cap. Il l'a fait une deuxième fois, il lui a repris la tête, garde le cap. Ne te disperse pas. Et là, c'est avant le départ. C'est dès maintenant. Garde le cap. Ta mission et ton objectif, il est là. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est le voyage d'une vie. Quand on dit que c'est le voyage d'une vie, certains ils disent c'est... Ils appellent le Hajj al-Maut al-Iradi. Ils appellent ça la mort agréée. C'est-à-dire que tu pars comme si tu allais mourir, ça y est. C'est fini. Certains, ils voient une exagération dans les protocoles de départ, de demander pardon. Non, parce que dans ta tête, il faut que tu partes dans cet état d'esprit. Je reviens pas. C'est le point de départ. Je reviens pas, c'est fini. Et il y a des frères, subhanallah, ils partent pour ça. Moi, je me rappelle d'un frère, son père. Chaque année, il avait un cancer. Allah, il est mort cette année. Chaque année, il partait. Il n'était pas en état. Il n'arrivait déjà pas à marcher correctement. Il arrivait. Chaque année, il partait et disait « Non, moi, je veux mourir là-bas. » Malheureusement, heureusement pour lui, je ne sais pas. Il a fait qu'il est mort ici, mais chaque année, ça n'y est, parce qu'il accepte ses efforts. Il partait pour mourir là-bas. Et il y a ceux, moi, je me rappelle, j'étais parti au Hajj, il y avait dans le groupe un frère qui était atteint d'une grave maladie. Il ne pouvait même pas se déplacer tout seul. Donc il avait payé le hajj à un autre frère, à un jeune, pour qu'il fasse le hajj avec lui. Il lui avait donné comme mission, si je meurs avant, tu fais le hajj à ma place. Tu dois faire le hajj pour moi. Subhanallah, on est arrivé à Médine, avant d'aller à la Mecque. On est arrivé à Médine, on a fait deux jours à Médine. Et le soir, on fait salat janaza. Il y a plusieurs salat janaza dans la journée. Et le soir, on rentre et on voit l'organisateur, il nous dit, bon, on a fait salat janaza sur le terrain tout à l'heure. Il est parti, alhamdoulilah, il est parti là-bas, le Baqir. Enterrer le Baqir. Qu'est-ce que tu veux de lui ? Qu'est-ce que tu espères de lui ? Le frère, il n'était pas en état, il ne pouvait pas. Il était incapable de marcher. Il a payé quelqu'un pour qu'il l'amène. Et il n'a pas pu. Mais à ce moment-là, il lui a donné une autre récompense. Deuxième chose sur laquelle il faut être très important quand on part au Hajj, on parle souvent des préparatifs matériels en fait, mais bon, c'est pas matériel, le meilleur des provisions, c'est celle qui est la conscience dans ce point, elle est ici. Mais en même temps, il faut être vigilant, parce qu'on a des frères, ils partent, ils sont pas vigilants sur... ils vont là-bas, ils mangent, on sait qu'il y a de la viande Jifa qui arrive d'ici, qui est vendue là-bas, ils vont, ils mangent tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous oblige à manger de la viande ? Soyez vigilants sur l'argent que vous utilisez dès maintenant là, pour partir. Il ne faut pas qu'il y ait un doute dessus. S'il y a un doute à les rembourser, à les donner, il faut être certain que cet argent, il est dans le halal. Et quand vous êtes là-bas, dépensez-le pas n'importe comment non plus. Abstenez-vous quand vous n'êtes pas sûr. Abstenez-vous quand il y a le moindre doute. Écartez-vous tout ce qui peut tronquer votre hajj. Mujahid, il était en discussion avec Ibn Omar. Ils étaient sur une colline et ils regardaient les gens qui déferlaient sur la Mecque. Il lui dit, regarde, toute cette quantité de pèlerins. Il était joyeux, il était content. Ibn Omar, il lui répond, il lui casse les jambes. Il dit,
Dis plutôt, regarde toute cette quantité de voyageurs. Parce que des véritables pèlerins, il n'y en a pas beaucoup. Il faut être vigilant parce qu'on part. Mais l'abreda, l'agrément, l'acceptation de l'avancement interne, il n'est pas garantie. Il faut mettre tout ce qu'on peut de notre côté. Parce que, inchallah, si on peut y aller cette année, c'est pas dit qu'on pourrait y retourner l'année d'après. Et la récompense, qu'elle soit spirituelle ou auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les sens du terme, elle est telle qu'on ne peut pas se permettre le moindre écart. Donc quand on parle de l'investissement dans ce matériel, hein, de la préparation sur le plan matériel, c'est surtout déjà assurez-vous de ce que vous amenez avec vous. Et assurez-vous de ce que vous allez dépenser là-bas. Troisième chose importante, c'est quand on part là-bas, on part pour renouer avec la nature. On part pour renouer avec le Kitab al-Manshur, hein, le livre ouvert dans ce matin-là. Dans ce matin-là, il nous dit « Fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim » Il y a des signes évidents, bayinat, dans l'établissement d'Abraham. Quand vous faites le talbiya, qui fait le talbiya en même temps? Les anges. Qui d'autre fait le talbiya en même temps? La nature. La nature, la pierre, l'arbre, la terre. Tout, jusqu'au fin fond de la terre. Faites être le bien et toute la terre fait être le bien avec vous. Il faut être en osmose avec ça. Parce qu'on est dans une société où on nous a tout coupé de ça. Même là-bas, tout à l'heure, je parlais des tours, etc. Et tout, c'est dur. Et quand, faut pas se tromper quand on fait le tawaf, et qu'on va toucher le rukn al-yamani. C'est pour se rappeler, c'est juste une pierre. L'essentiel est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide à travers ces outils-là, il nous aide à travers ces moyens. Et on essaie de renouer, on tourne dans le même sens. Vous savez qu'avant, le prophète, quand Quraish faisait tawaf, mais il faisait tawaf dans quel sens? Évidemment. Dans le sens inverse. Et nous, dans le sens des aiguilles du monde. Et nous, on fait dans le sens inverse des aiguilles du monde. On renoue avec la terre qui tourne dans ce sens-là. On reprend corps avec la terre. On reprend corps. Regardez juste une chose. Quand vous allez à la Kaaba, il y a une chose. C'est fantastique, c'est de s'asseoir et regarder la Kaaba. Regardez les gens qui tournent. C'est d'un apaisement, subhanallah. C'est des moments dans l'agitation, quand vous êtes dans la Kaaba, etc. Et tous les moments, c'est bien, on s'assoit, on ne fait rien, on regarde. On fait dix et on regarde. Regardez une chose. Regardez juste les oiseaux, comment ils se comportent. Vous regarderez, et puis après vous ferez le retour à l'organisatrice. Je me rappellerai toujours, subhanallah, quand j'étais parti au Hajj la première fois, le frère il m'avait dit cette phrase. Et c'est vrai que, subhanallah, il ne m'avait pas dit pourquoi. Et quand tu les regardes, tu te dis, subhanallah. Tu te dis, subhanallah. Et c'est ça, on doit renouer avec la nature, on doit renouer avec... On y va sous ordre de Kitab al-Mustur, hein, avec un ordre qui nous est ordonné par le Coran, pour renouer avec le Kitab al-Mustur, pour renouer avec le livre ouvert dans ce point interne. Et on y va, en fait, quand on va dans cette recherche du pardon, parce qu'on sait que la clé essentielle, c'est le pardon. Il dit, là, entre chaque Umrah, Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés qu'il y a entre elles. Et il n'y a d'autre récompense pour le Hajj al-Mabrur que le paradis. Mais en réalité, cette récompense du pardon, elle est qu'on arrive à revenir dans notre nature première. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Man hajja falam yarfus walam yafsuq, Raja'a kama waladatuhu ummuh. Il revient comment? Comme quand il était à sa naissance. On revient comme quand on était à l'Afrique. On revient à notre état premier. En fait, on renoue avec la nature, mais on renoue avec nous-mêmes. On reprend corps avec nous-mêmes, avec notre âme. On se détache de toutes ces choses-là. On arrive à lever ces voiles qui pervertissent nos cœurs. Pour finir sur les conseils d'avant le départ, juste deux petites choses qu'il faut avoir à l'esprit. La première, c'est de se rappeler qu'on est un invité dans l'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et en tant qu'invité d'Allah, Allah il facilite les choses. Multipliez les doigts. N'hésitez pas à multiplier les doigts. Moi, je me rappelle quand j'avais fait le Hajj la première fois, vous êtes tawaf. Et il y a une foule telle que, en vérité, il y a certaines choses qu'il est difficile de faire. Multazam, ça passe, on arrive. Rukn al-Yamani, ça passe. Mais le Hajar al-Aswad, la pierre noire, toucher la pierre noire, c'est difficile. Les gens, ils se battent, ils se mettent des coups. Et moi, je passais devant, je ne vais pas me battre avec les gens pour aller toucher la pierre noire. Et je tournais. Et chaque jour qui passait, après avoir fait le Hajj, même quand vous êtes là, je me disais, après on va partir, je n'ai pas touché la pierre noire. Et après, je me suis dit, je vais faire deux. Et c'était dans mon dernier tour de tawaf et je fais deux pour toucher la pierre noire. Pour faire vivre cette sunna du prophète, alayhi salam. C'est pire, mais c'est le prophète Samy l'a touché, je voulais toucher la pierre et embrasser la pierre comme le prophète, alayhi salam, l'avait fait. J'arrive, subhanallah, vers la pierre. Et à ce moment-là, c'est l'heure de salat. Au fond de mon cœur, je me suis dit, ça y est, j'ai encore. Après, je me suis dit, non, on ne sait jamais, je reste devant, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter. Subhanallah, à ce moment-là, il y a des agents de police qui viennent et qui poussent tout le monde. Il me dit, vas-y, toi. Ni un qui m'a mis un coup, qui m'a tapé, qui m'a monté dessus, qui m'a tiré, qui m'a. J'ai mis ma tête, tranquillement, et je suis sorti. Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce tout. N'hésitez pas, allez-y. Allez-y, demandez. D'ailleurs, je vous demande une chose. Vous n'oubliez pas dans vos doigts quand vous allez là-bas. Et pas doigts pour un musulman. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait si on est parmi les musulmans, ou parmi les mu'minins, ou Allah fait de ça parmi les autres à l'opposé. Faites de la ressource. Deuxième chose qui facilite les choses quand on est là-bas, c'est. Il faut y aller pour être au service des gens. Comme disait le prophète, c'est Ibn Nas. Le maître des hommes, c'est qui? C'est ceux qui sont à leur service. Si vous y allez dans l'état d'esprit qu'il y a des gens qui sont censés gérer et qui vont tout organiser pour vous, et que s'ils font mal, vous allez leur rentrer dedans ou que c'est pas normal, n'y allez pas. J'exagère quand je n'y allais pas, mais allez-y pour vous aider les gens. Si vous vous mettez dans cet état d'esprit, que vous, votre âge, votre récompense, vous allez la gagner en aidant les gens, en vous mettant au service des gens, vous allez en goûter, vous allez avoir la meilleure des saveurs du Hajj. Parce que la meilleure des choses, c'est ça, c'est d'être au service des gens. Il y en a un qui est en difficulté, aide-le. Il y en a un qui ne peut pas, aide-le. Il y en a un qui, vas-y, mets-toi à sa disposition. T'es pas payé pour ça, t'es payé mieux que n'importe quel pays. N'attendez pas des gens qui font mal, qui... Mettez-vous comme responsable, parce que la clé du cheminement spirituel, c'est qu'on finit par être responsable. Et si on y va dès le départ comme responsable pour aider les gens, comme le prophète Al-Sallam, il demande, les compagnons plutôt, excusez-moi, ils ont demandé au prophète Al-Sallam, c'est quoi la caractéristique de l'Hajj al-Mabrour? C'est quoi qui prouve qu'un Hajj est Mabrour? Le prophète Al-Sallam, il leur a dit quoi? Il leur a dit quoi? Deux choses. C'est quoi les deux choses? C'est nourrir les gens et dire de bonnes choses. C'est pas faire 15 000 tawaf, c'est pas nourrir les gens et dire de bonnes choses. Si on y va dans cet état d'esprit, c'est facile d'aller. Parce qu'on est dans cette disposition de départ. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est difficile, il y a du monde, il y a des coups, il y a des... Et si on se focalise sur ça, sur les coups que les gens vont nous mettre, sur les... on oublie, on ne va pas pouvoir profiter vraiment du Hajj. Il faut dépasser tout ça. Il faut se mettre au service des gens, il faut laisser, c'est pas grave. La difficulté pour moi, elle est beaucoup plus facile que ceux qui sont partis, qu'Ibrahim qui a fait 2500 km à pied. C'est dérisoire tout ça. Et de toute façon, jusqu'à la fin des temps, il y aura des difficultés. Parce que la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle se fait dans l'effort et dans le jihad. Et ce moment ultime de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala au moment du Hajj, il doit se faire dans l'effort. Donc si c'est pas ça, si c'est pas lui qui t'a mis un coup, si c'est pas autre chose, il y aura autre chose. C'est pas la peine de lui en vouloir, c'est pas la peine de lui crier dessus, c'est pas la peine de... Et on arrive donc sur les rites. Et sur le sens de chacun de ces rites. Je vais essayer d'avancer rapidement, parce que c'est pas beaucoup de temps. Mais... La première des choses, quand on part au Hajj, déjà, c'est qu'on va se mettre en état d'ihram. Et le moment où on se met en état d'ihram, déjà, on sent, avant de partir, il y a la pression qui commence à monter avant le départ, les préparatifs. C'est on signe son chef, l'agence s'est réglée, on commence à apprendre les rites, on apprend les deux. Après,
on dit salam à la famille, on part à l'aéroport, ça y est. Quand on se met en état d'ihram, ça y est. Quand on se met en état d'ihram, on coupe avec le monde matériel. L'état d'esprit, c'est qu'il faut se dire, je mets deux vêtements. Qui sont les vêtements que je vais avoir quand je vais être dans ma tombe? Je pars pour la mort. Je coupe avec ce monde matériel. Mais si je coupe avec ce monde matériel et que je passe mes journées dans les magasins d'Al-Haram, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Je coupe avec ce monde matériel. Et à ce moment-là, c'est le point de non-retour. Ça y est, on est parti. Et on n'a plus le droit. Man hajja, faman farada fihinna al-hajja, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Celui qui part pour le hajj, qui accomplit cette obligation, ni acte sexuel, ni grossièreté, ni perversité, ni jidal, polémique, al-plofik. Rien, tout ça on met de côté, on se ressent sur l'essentiel. Et on commence par quoi? Telbiya. Et telbiya, étymologiquement, subhanallah, a un sens. Telbiya, ça vient. Il y a trois mots qui peuvent nous donner le sens véritable de telbiya. Labba, c'est se poser. Disons, on se pose. On commence à telbiya, on se pose. Telbiya. Labba, on se pose. Et l'ubba, c'est quoi? Avec le cœur. C'est ce qu'on fait avec le cœur. Et labba, c'est quoi? C'est je réponds. Je réponds en me posant avec mon cœur. Telbiya, c'est ça, c'est que je réponds à cet appel en me posant avec mon cœur. Il faut se mettre dans cet état d'esprit. Au moment où on prononce la première telbiya, labbayk Allahumma hajja, labbayk Allahumma labbayk, et ça résonne à l'intérieur. Il faut le répéter, répétez-le, labbayk Allahumma labbayk, jusqu'à ce que ça s'enracine au fond. Hein? Et ensuite, on avance et on arrive à la Mecque. Et là, c'est la pression qui commence à monter. Quand on commence à arriver à la Mecque, vous descendez de l'aéroport, vous prenez les bus. Et là, on vous annonce que vous arrivez à la Mecque. La première fois que vous arrivez, vous dites, mais elle est où la Mecque? On a l'impression que nous, c'est un petit truc, la Mecque. On attend et on continue de rouler. C'est où la Mecque? Et on attend. Et ça commence à monter, on est impatient, on a envie de voir. Il y en a qu'on voit plein de bâtiments. Et après, on rentre. Et là, vous voyez les quatre grandes tours, quatre grands minarets. Et là, vous dites, ça y est, on approche. Et après, vous descendez, les accompagnateurs, vous accompagnez. Sur les accompagnateurs, les frères, une chose qui est importante, celui qui a déjà été, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, il sait se prendre en charge. Celui qui va pour la première fois, qui essaie de s'organiser, les grands groupes où il y a plein de monde, où il y a machin, c'est pas la peine. Un petit groupe, même si c'est avec un grand groupe, mais organisez-vous pour qu'il y ait dans le petit groupe une personne qui sait, qui a déjà fait, qui va vous amener à l'essentiel. Et si vous partez pour une durée suffisamment longtemps, qui est capable de vous faire visiter les endroits alentour. Voilà. Des petits groupes. Voilà. Pas trop de masse, trop de monde, trop d'autres. Et là, vous rentrez, vous arrivez. L'accompagnateur, il vous dit, allez, on y va. Et vous rentrez dans le haram. Mais vous ne voyez pas encore le Kaaba au départ. Vous attendez, et vous marchez. Et subhanallah. Je ne connais pas quelqu'un qui est rentré la première fois à la Mecque et qui n'a pas vécu cette sensation. Surtout la première fois. La première fois, c'est quelque chose d'incomparable. Vous rentrez, et la Kaaba, pourtant c'est un mur. Il y a une lumière qui se dégage de la Kaaba. À l'intérieur, même si c'était un parpaing en béton qui était cloisonné avec tout ce qu'on veut, avec tous les péchés qu'on veut, elle est brisée. Elle est brisée par cette lumière qui se dégage de la Kaaba. Et ça, il faut se l'accaparer. Il faut se l'accaparer avec le cœur et il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher, il faut en profiter. Il faut en profiter un maximum. Et là, on part et on commence à faire tawaf. Et tawaf, il y a tellement de choses autour de cette Kaaba que, entre le Hajar al-Aswad, la pierre noire, Ali nous disait, c'est l'endroit où les gens pleurent et les invocations sont exaucées. Il y a un endroit que je trouve qui est négligé, subhanallah, par rapport aux autres. Il y a du monde qui y va, mais quand même beaucoup moins. Profitez-en. C'est le Multazam, juste après Hajar al-Aswad. Le Multazam, vous allez. Mais quand vous y allez, subhanallah, vous montez, vous vous mettez, vous vous rapprochez petit à petit, sans bousculer les gens. Petit à petit, naturellement, les gens, ils partent et vous allez arriver à avoir votre place. Vous vous mettez. Moi, derrière, vous allez prendre des coups, etc. Vous allez parler sans tirer.
Vous mettez là la tête contre le mur et vous faites dehors. Et vous faites dehors, vous faites dehors, vous faites dehors. Laissez-vous prendre. Je vous assure que c'est un moment qui n'a pas d'équivalent. Il y en a un qui est mieux, on en parlera après, mais là, dans le Kaaba, le Multazim, c'est... Moi, je m'étais fixé comme objectif la première fois que j'avais été. Chaque fois que je devais passer, je devais aller au Multazim. Quand tu as goûté la première fois, tu te dis non, je ne peux pas passer, je ne vais pas au Multazim. Après, vous continuez, vous avez... Vous allez à la fin, parce que vous ne pouvez pas y aller au départ, mais ça, Manasik, vous les ferez plus tard. Vous passez devant quoi? Devant Hijr Ismaïl. Hijr Ismaïl, Rahman, un jour, il a dit aux gens, vous savez où j'étais? Où est-ce que j'étais? Ils ont dit non. Il a dit, j'étais accoudé auprès d'une des portes du paradis. Et il était où? Il était à Hijr Ismaïl. Ibn Omar, il disait, Ibn Abbas, je ne sais plus si Ibn Omar ou Ibn Abbas. J'ai un doute. Un des deux qui disait, priez au meilleur des endroits et buvez la meilleure des boissons. Le meilleur des endroits, c'était dans Hijr Ismaïl. Le meilleur des boissons, c'était Zamzam. Ensuite, donc, vous avez l'Ordre de Yamani, j'en ai parlé tout à l'heure, et vous arrivez à Maqam Ibrahim. Et là, Maqam Ibrahim, on renoue avec cette tradition, avec cette histoire dont je parlais au départ. On arrive à Maqam Ibrahim, quand on se prend à il fait qu'on récite. Le prophète nous a enseigné de réciter Surat al-Ikhlas et Surat al-Kafirun. On se débarrasse de toute idole. Ibrahim, quand il a renoué avec Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est débarrassé de ses idoles. Ses idoles, c'était quoi? C'était les astres. À ce moment-là, il y a eu une question qu'on peut se poser. C'est quoi nos idoles? De quoi est-ce que moi je dois me débarrasser? Quand on se met devant le maqam, hein, et qu'on fait la kartine, dépêchez-vous pas de partir. Restez un peu. De quoi est-ce que je dois me débarrasser? Et là, quand vous rentrez en prière, de quoi est-ce que je dois me débarrasser? C'est quoi ces idoles que je dois évacuer de mon cœur? Parce que lui, il s'est débarrassé de ses idoles. C'était des astres. Mais est-ce qu'on adore les astres? Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on adore au quotidien? Qu'est-ce qui pervertit nos vies? Qu'est-ce qui empoisonne nos cœurs? De quoi est-ce que je dois me débarrasser? C'est cette question-là. Cette question-là, elle est fondamentale. À ce moment-là, il faut se la poser. Et après, vous pouvez partir à Zemzem. Et là, à Zemzem, vous êtes professionnel, vous buvez jusqu'à satiété. Il y a une chose qu'on peut boire sans fin, c'est l'eau de Zemzem. Et subhanallah, l'eau de Zemzem, comme disait le prophète, alayhi sallam, mais au Zemzem, les mains sur les badas. Pour n'importe quelle raison pour laquelle vous la buvez, c'est bon. Je connais un frère, moi, qui était parti. Je connais un frère qui était parti, qui avait l'hépatite C. Il était, subhanallah, dans un état, frère, c'était des os. C'était des os. Quand je vous dis des os, le frère, c'est devenu des os. Il est parti, hein. Alors là, il s'est dit, moi, est-ce que ça, les médecins, ils m'ont dit, il est condamné. Il est parti. C'était il y a 4 ans, ça, je crois, 5 ans, ça. Voilà, je me rappelle. Il est parti en Ramadan. Il est revenu, il avait bonne mine. Il s'est dit, bon, c'est la lumière du Hajj. Quelques mois après, il nous dit, tous les métastases, ils sont partis. Il m'a dit, je suis parti avec une nia. J'ai été là-bas, j'ai bu Zemzem jusqu'à ce que je ne pouvais plus boire. Car là, ce matin, il me dit. Il ne faut pas minimiser l'importance de... Même si le décret de l'Allah, le jour où on doit mourir, il est écrit. Mais minimisez pas l'importance de Zemzem. Buvez-en, et invoquez l'Allah. Et subhanallah, cette eau-là, celui qui vous dit qu'elle n'a pas une spécificité, c'est que le palais du roi qui est juste à côté, le palais du roi, il est juste à côté, vous voyez, à la Mecque, il est vraiment collé à la Mecque. Ils ont essayé de puiser l'eau. Attends, elle est à côté de la source. Hein. Ils ont essayé de puiser l'eau depuis la source. Ils ont essayé tous les moyens, ils n'ont pas réussi. Ils ont été obligés d'alimenter manuellement. De puiser et d'amener manuellement l'eau jusqu'au palais. Ils n'ont pas pu. Il y a une source qui ramène. Cette eau-là, elle a cette bénédiction. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait jaillir par Ibrahim, parce que Hajar allait faire ça. Et à ce moment-là, vous partez
pour Sari. Sari, on renoue avec la tradition de Raza. Et Sari, c'est un moment où vous faites attention parce qu'on commence à être fatigué physiquement. Le corps, il commence à lâcher. Et c'est à ce moment-là qu'il faut redoubler d'efforts. Ne vous précipitez pas à faire Safa ou le Marwa en disant bon, faut que je finisse. Non, arrêtez-vous à Safa, arrêtez-vous le Marwa. Faites deux A. Forcez, c'est à ce moment-là. Il faut forcer les limites, il faut dépasser ses limites. On arrive de voyage, on est fatigué, on a fait tawaf, on a vécu beaucoup d'émotions, mais on arrive. Et il y a eu cette coupure. Entre moment, on a fait la katine et on a bu l'autre zemzem, mais c'est parfois difficile de repartir. À ce moment-là, il faut se ressourcer, il faut se dire non, maintenant je dois remettre le paquet. Multiplier de deux. Hein. Parce que souvent, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les gens se relâchent. Et ils tournent. Comme s'ils erraient. Alors que c'est le point de départ. C'est là que Hajar a commencé. L'histoire de Hajar a commencé. Bon, j'accélère un petit peu, Inch'Allah, parce que il reste quelques minutes, pour au moins arriver jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez avoir les formes du Hajj, vous allez voir ça plus tard. Comment vous allez faire en termes de tour, peu importe. Le huitième jour, en tout cas, c'est le jour des grands préparatifs. C'est le jour des grands préparatifs et ce jour-là, ça se bouscule. Moi, je me rappelle la première fois qu'on était parti, on était arrivé à un hôtel où ils avaient mis à Moultazam, alors qu'on devait normalement être à côté de la Mecque. Et ça avait traîné, ils nous avaient dit, bon, ça va être deux jours, ça s'est transformé en trois jours, en quatre jours, en cinq jours. Et le problème, c'est que le Yom Terouya, on était encore à l'Aziziyah, alors qu'on aurait déjà dû partir à la Mecque. Et nous, on était là, on attendait, on ne savait pas si on devait préparer nos valises, aller à la Mecque, pas y aller, etc. Évacuer tout ça. Vous ne faites pas avoir comment c'est faire. Vous êtes à l'Aziziyah, vous êtes où vous êtes. Concentrez-vous, c'est Yom Terouya, vous vous préparez. Préparez votre cœur. Ça y est, vous partez pour Arafat. Parce qu'Arafat, il ne faut pas le louper. Il faut que le cœur il soit prêt. Vos valises, vous les oubliez dans l'hôtel, vous les faites ce que vous voulez avec vos valises. L'organisateur il vous dit on va aller à Jeddah s'il faut. C'est pas un problème. L'hôtel il veut prendre là où il veut le prendre. Vous êtes là, vous attendez. Jusqu'à ce qu'il y ait le départ. Parce qu'au moment du départ, après quand on arrive à Arafat, c'est un des secrets. Vous voyez à Arafat aujourd'hui, cette synchronisation du moment et du lieu, il n'y a pas d'équivalent. Une après-midi en plein soleil, mais il n'y a pas d'équivalent. La sensation qu'on vit à Arafat, le jour de Arafat, il n'y a pas d'équivalent. De ma vie, je n'ai jamais vécu un moment comme le jour de Arafat. Vous sentez que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend en réalité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend et qui se vante auprès des anges. Regardez mes serviteurs. Ils ont répondu à l'appel. Ils se vantent auprès des anges et ils pardonnent. Et ils pardonnent pour tous ceux pour qui on intercède. Donc ces jours-là, vous faites de rien sur nous. Ne laissez pas passer le temps, parce que ça passe très vite. À la fin, ça passe très vite. Vous allez dans les tentes, vous voyez peut-être des fois, il y a des gens, je me rappelle, j'étais parti, on était à l'extrémité. J'étais parti, je disais, moi je suis allé sur la colline, je vais aller sur le mont à la fin. Personne ne voulait, c'est pas grave, j'y vais tout seul. Et j'ai été, j'étais sur le mont à la fin. Et sur le mont à la fin, c'est une sensation très particulière, celui qui peut y aller, qu'il y aille. Et après, j'étais reparti. Et quand j'étais reparti, vous regardez dans les... Vous voyez les tentes? Les gens, ils sont en train de servir le thé et de discuter. Subhanallah, ça dure une après-midi, vous n'avez pas le temps ni de boire de thé, ni de discuter, ni de... Faites dua, toutes les dua que vous pouvez faire, répétez-les. Et si vous ne savez pas en français, en la langue que vous voulez, arrêtez-vous pas. Parce que ce moment-là, je peux vous jurer que quand ça va passer, vous allez le regretter. Il sera fini, vous allez le regretter. C'est vrai. Donc il ne faut pas laisser passer une minute. Parce qu'après, ça y est, on part pour Mina et on va s'arrêter où? À Muzdalifa. Quand on s'arrête à Muzdalifa, c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes rien. C'est là peut-être la meilleure des mauvaises nuits que vous pourrez passer. Vous êtes assis, vous êtes allongé par terre si vous trouvez une place pour vous allonger, parce que 5 millions de personnes qui sont allongées par terre, voilà. Les uns collés contre les autres, l'un a sa tête sur ses pieds, l'autre il a ses pieds sur sa tête, et là. Mais si vous trouvez une place déjà, alhamdoulilah, vous vous allongez par terre et vous vous rendez compte, vous êtes rien.
de votre ingénieur, cadre, patron d'entreprise, président de telle association, telle collective, de président de la République, s'il veut, là. Il est rien, il est allongé par terre comme tous les autres. Il vient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tous les autres. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte, que vous renouez avec ce qu'il y avait au plus profond. Et ce moment-là, il nous prépare à l'arrivée à Mina, quand on va aller jeter le jamarat. Je vais finir ensemble. Quand on va aller jeter le jamarat, et que on renoue avec cette tradition d'Ibrahim, quand il est venu et qu'il allait pour réparer son fils, et que c'est pas l'idée de l'Ouswas. Et Ibrahim, il a pris les pierres, il a jeté cette pierre contre lui. Et après, il a été Ouswas Ismaïl. Et Ismaïl, il a pris les pierres, il lui a jeté cette pierre. Et après, ensemble, ils ont jeté les sept pierres. Et on renoue. Et nous, on jette les pierres contre Shaitan. On jette les pierres contre les idoles qu'on adore le jour. Et à ce moment-là, on prend les pierres et on dit, ça y est, je me débarrasse de ça. Avec ce que je viens de vivre, je peux plus, ça y est, je me débarrasse de tout ça. C'est cette gestuelle-là, ça y est, c'est fini. Je repars d'un nouveau pas. J'ai renoué avec moi-même. J'ai renoué avec le fétal. Et après, on reste à Mina. Et justement, Mina, étymologiquement, le Mouna, c'est quoi? Ça veut dire ce à quoi aspire l'homme. Et bien, étymologiquement, vous avez ce sens étymologique qui nous fait comprendre qu'à Mina, pendant les trois jours où on va rester là, vous allez vous poser la question de ce à quoi vous aspirez. C'est quoi votre but réellement? Trois jours où il faut méditer. Trois jours où il faut se ressourcer. Trois jours où il faut prendre le temps. C'est quoi mon but en réalité? Parce que quand on revient, c'est très difficile. Le décalage entre ce qu'on vit là-bas et quand on revient ici, après il y en a qui vous disent oui, c'est pour ça qu'il faut faire Médina, frère, il faut faire Médina. Les deux sont bien en réalité. Mais vous faites Médina avant, après vous revenez, vous êtes en décalage. Il y a une perturbation, qu'est-ce que je fais là? C'est très difficile. Et ben, ces trois jours, ils vont vous aider. Si c'est pendant ces trois jours, vous essayez de réfléchir, je vais revenir, dans quelle disposition je vais? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon quotidien? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui fait que je me suis autant éloigné dans ce point intérieur? Vous avez trois jours pour y repenser. Et pendant ces trois jours, vous avez, premier jour, un sacrifice pour pouvoir sortir de l'Ihram. C'est vrai que maintenant, ils sont faits dans les abattoirs. Moi, je vous conseille, ceux qui peuvent, allez-y. De la même manière, quand vous touchez le Kaaba, vous avez ce contact avec la nature, allez. Allez, si, parfois avec un peu de chance, ils vous laisseront sacrifier. Et s'ils ne vous laissent pas sacrifier, au moins vous voyez le sang couler. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'automatique. Vous ne le voyez même pas. Celui qui peut y aller, il va voir. Tant qu'il laisse rentrer, profitez-en. Allez voir. Et avec un peu de chance, si vous demandez, peut-être qu'ils vont vous laisser. S'ils ne vous laissent pas. Et après, donc, on retourne à la Mecque. Et après, il y a ce moment très particulier de Médine, où là on va rencontrer le prophète, qui est soit avant, soit après, mais donc cette porte, on repartit pour un moment. Mais Médine, c'est aussi quelque chose de particulier, parce que c'est pas le Hajj, mais c'est indissociable du Hajj. On rencontre avec le prophète, cette sérénité qui se dégage, ce moment-là où on a le temps justement de se poser et de revivre cette relation avec le prophète, de reprendre goût à cet amour du prophète qu'on oublie dans notre quotidien. On ne se pose plus la question comment le prophète a fait, comment le prophète a été. On ne pense même plus aller. Et là-bas, il nous répond physiquement. Quand le prophète, quand on lui fait salam, il se lève et il répond. Allah subhanahu wa ta'ala le fait revivre pour répondre au salam. Et vous êtes à côté de lui, il le fait revivre et il vous répond. Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre son âme à chaque fois. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك